chercher l'esprit de Lazare. La parole a dit à l'esprit de Lazare, tu dois sortir. La puissance de la résurrection est allée chercher les cerveaux, est allée chercher le cerveau, est allée chercher les organes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le pied dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il y a un ordre qui est donné. My God. Et la Bible dit, Lazare ressuscite. Lui-même ne comprend pas. Oh, maintenant, le problème, c'est pas seulement que Lazare ressuscite, c'est Lazare sort. Oh, Lazare était bandé des têtes aux pieds. Premièrement, Lazare n'a pas vu le chemin de l'entrée. J'ai besoin de deux choristes. Deux frères choristes, venez rapidement. Deux frères, venez. Choristes. Lazare n'a pas vu l'entrée. Mais Lazare est sorti comment? Il ne s'est pas cogné. Il ne s'est pas trébuché. Comment? Tala, tu vas te marier, les gens ne seront pas. Ils diront, hein? Famille, pour pas là, il faut un conso. En français, il y a des choses qui aiment bien à Mirala. Il y a des familles, pour se marier, il faut mélanger l'argent. Mais toi, tu vas te marier. Ah! On posera la question, hein? Comment? Oh. Comment tu as fait pour avoir un grand ministère? Comment? Il m'avait dit, Lazare, hein? Alors, la question reste toujours sans réponse. Il n'a pas vu l'entrée. Comment il est sorti? Viens mon frère. Lui c'est Lazare. Lui c'est Jésus. Moi c'est la parole que Jésus a libérée. Lazare, hein? Sort. La parole est partie. La parole est partie. Oh, c'est la parole qui était dehors qui connaît l'entrée. Et la parole est entrée. Je vais le dire comme mon père dit, donne-moi un amen. Écoute-moi. Maintenant, la Bible dit, ma parole ne peut rentrer s'il n'accomplit pas ce pourquoi il était sorti. Donc, quand Lazare est ressuscité, la parole doit faire quoi? Doit rentrer. Lazare, si par la foi, tu ne tiens pas la parole de Dieu, tu ne sortiras pas. Parce que tu es bandé et tu ne connais pas les chemins d'entrée. Donc, tiens-moi. Moi, la parole, je rentre. C'est ainsi. Lazare se retrouve dehors. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Je suis venu dire à quelqu'un, la parole a une puissance, la parole a une puissance, elle peut te prendre à l'eau des bas et te faire asseoir. Je vais prêcher comme ça, je vais mélanger le tout. Oh, vous allez remarquer un autre canal de puissance, c'est la foi. C'est-à-dire que Lazare devait tenir la foi, la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. L'esprit de Lazare avait entendu la parole. Il a saisi. Ouais. Il n'y a pas de puissance sans la foi. La puissance devient effective dans la vie d'un chrétien à cause de la foi. Il faudrait la foi. Voilà pourquoi papa, dès le départ, il a parlé de la foi. Mais là, la foi qui active la puissance, c'est la foi qui marche avec la révélation. Ah!
Marthe dit à Jésus, il sent déjà. Jésus lui dit, il va ressusciter. Il dit, je sais qu'il ressuscitera. Il ramène Jésus dans le Logos, car c'est vrai, on ressuscitera dans les derniers jours. C'était la doctrine, c'était le Logos. Mais lui ne savait pas que Jésus disait le Réma, car le Réma, c'est une parole spécifique dans une situation. Comme pendant ces Alpha 40, au Kozoaba Réma, tu auras des révélations. Ah! Qui te donnera accès à ta destinée. Une chaîne d'investigation qui donne les informations partout dans le monde, les informations vraies et fiables. Toyobo TV. Toyobo TV. Une chaîne pas comme les autres.